Eh bien, salut à tous, c'est Tony du 18 pour une toute nouvelle carrière, donc la numéro 3 de la ferme La Marne. Et je suis en compagnie de Mac FPS. Salut à tous. Alors, ça va toi? Ouais, très bien, et toi? Ouais, bon, on a pas mal de boulot là. Là, je sais que sur cette carrière-là, je crois que ça va pas être fini du jour au lendemain. Je sais déjà que t'as un champ de blé qui est en train de se... Enfin, un court blé qui est en train de semer un champ de blé. Un champ d'orge aussi, je crois bien. On va le faire tout de suite après dès qu'il a fini. Parce que là, pour l'instant, j'ai qu'un seul semoir. Et je vais peut-être m'acheter un semoir qui sera directement ou en semi-direct. Et je sais pas, ça, j'ai regardé l'autre fois le semi-direct. Bah, le hors ce proton 9 mètres ou le 18 mètres, et bah, ils sont en semi-direct. Puis ils fertilisent en même temps. Avec ça, t'es tranquille. Ah, le mode hors pronto 18 mètres, celui qu'on avait. 9 mètres ou 18 mètres, comme tu veux, ils font les deux la même chose. Ah oui, il va falloir que j'aille chercher une coupe à maïs aussi parce que du coup, oh la quelques qui sera moins chère sur. Je prends une coupe en caseillage ou une. Tu sais, l'autre marque là, je sais plus comment elle s'appelle. Attends, je suis regardé au magasin. Donc. Alors il y a la coupe Capello en 4 rangs. Capello. Ouais, elle fait 18 000 euros. Il y a la caseillage 12 rangs, elle fait 49 000. Ah ouais, mais là, je vais pas chier loin parce que j'ai que 9 734 euros. Et puis la 16 rangs, la coupe Capello, quoi. Sinon, dans les modes, est-ce que j'ai une barre de coupe à maïs pas trop chère? 4 500, j'en ai une de restricted. Est-ce que ça va s'adapter? Tu vas faire de l'ensilage grand ou de l'ensilage normal? Bah, je vais faire non, maïs grain-grain, quoi, ouais, pour les Ah, poules, quoi. ouais, bah prends la moins chère. Je vais prendre la restricted. Elle s'adapte sur la caseillage, même si c'est du New Holland. Ouais, je pense. Allez Bah, hop, t'es super bien. c'est parti, on va aller la chercher. Alors il est 13 h 12. Mais t'inquiète Tony, ta vidéo ne devrait pas être trop longue, j'ai vu à l'heure que t'as commencé, je surveille l'heure. T'inquiète pas. Donc je fais le champ 1 et le champ 15 et puis on s'arrête là. Oh bah je te dirai, t'inquiète pas. Ouais. Donc du coup, ouais, je vais peut-être après faire. Je vais voir ce que ça va donner la laveuse à patates, voir si je peux l'adapter. Présente-la vite fait là, histoire qu'on voit un peu ce qu'à vous. Bah, ça sera pour la prochaine vidéo parce que je l'ai pas mis dans mes modes. Ah merde. Ouais, j'ai vu. Faudrait que t'ailles regarder une vidéo de LSA. Et normalement, il a fait une vidéo avec sa team, avec, comment il s'appelle Sa team et comment ça? Et il a. c'est avec, comment, Papy, classe DX. Ah ouais. Et en plus, là, il sait même pas qu'il était sorti le 18 ou le 19. C'était quand 18 ou 19? Ouais, on est quoi? Mai ou juin? Là, Non. début juillet. Ouais, le 19 juin. Il y a comment le jeu ferme experte. Ouais. Bah, il en parle alors que bah, bien sûr, LSA, il fait des vidéos de ferme experte. Et il a même pas mentionné qu'il l'avait dans sa vidéo.
Il a fait mine de rien dire, en fait. Il dit, ouais, apparemment, il y a des Allemands, des machins qui font la vidéo sur Forme Experte. Alors, je sais pas s'il est sorti en France. Franchement, bah, il faut voir. Un peu court d'avoir tout ça. Il est dans la team à LSA, et puis. Ah là là, je m'y prends mal pour la barre de coupe. Ah, maïs, allez, vas-y. Par contre, avec ma belle petite caseillage là de la team Fermodine, là, franchement. Ah. Mais bon. Ouais, c'est clair que même. C'est dommage que. Farming, franchement, comparé à Ferme Expert, il n'y a pas à dire. Niveau graphisme, ils sont au top, Farming Simulator. Bah, tout ce qui est Giant, de toute façon. On est bien avec ça. On est bien avec Giant, mais Ah, bah oui. il y a Bah, toujours. il y a toujours quelque chose à changer, ça, c'est sûr que. Est-ce qu'ils vont trouver. Hop, voilà, les petites vues. Les petites vues de la caseillage. Il y en a tellement de caméras dessus que je suis perdu. Et sinon, ouais. Moi, je sais pas si quand il y aura Farming 17 pour comme tous Ouais, les bon, il jeux. n'est pas tout de suite le 17, je pense, il sera vers fin 2016. Sortira. Fin Mmh, donc 2016, un, on va 16. dire dans un an, à peu près, ouais, dans un petit peu. Bah oui, parce que Farming Simulator 15, ça fait combien de temps que le jeu est Ouais, sorti? il est sorti il y a même pas encore un an, là, c'est même pas un an qu'il est sorti. Il est sorti Fin 14. en octobre. Octobre 2014. Ouais. Ah ouais, parce que je me suis rué dessus comme un sauvage pour l'acheter. Dès que Leclerc à Guingamp, ils avaient le jeu, alors je me suis rué là, j'étais devant Leclerc, il était 7h moins le quart. Enfin, peut-être pas 7h moins de quart parce que il ouvre pas à 7h moins de quart quand même. Non, mais moi j'étais un gros dingue, j'ai attendu là, j'ai attendu allez, 2 heures devant le magasin. Sans ça, je suis fou. Ah ouais, je t'assure que là j'ai. Alors que moi, Anthony, je vais te dire, moi je l'ai commandé sur Net, je l'avais précommandé chez Amazon, je l'ai reçu le deuxième jour qu'il soit sorti, le lendemain qu'il soit sorti. Je l'ai eu le deuxième jour qu'il était sorti, j'étais tranquille. Ça fait bizarre la barre de coupe sur la caseillage, mais tant pis. Ça te dérange pas ce que je dise un petit mot par rapport à mon petit souci que j'ai là? Non, il n'y a pas de souci, vas-y. Les amis, je fais pas d'annonce sur ma chaîne, ça sert à rien que j'en fasse une, parce que c'est très très court. Enfin, quand même, pour moi c'est long, mais bon, c'est assez court quand même. J'ai plus de PC à cause d'un souci Windows. Je l'aurai mardi, donc vous avez prévu ce week-end qu'on prendrait les vidéos farming et tout, mais plus à cause de ce souci à la con, on va dire. On n'a pas pu reprendre, ne vous inquiétez pas, on va reprendre avec toute la team sur le serveur, avec la nouvelle mise à jour, tout, on va reprendre le farming, tout tranquille, avec une nouvelle map en multi, je vais te dire vite fait, moi je vais faire un Limburg en solo, voilà une carrière solo chez Merck. J'ai une map que je veux aussi re retrouver. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, c'était une map très très belle, vous la retrouverez, vous inquiétez pas. Après on cherche une map en ce moment même, une map pour le multi. Si vous en avez une, dites un petit commentaire dans la vidéo de Tony ou sur ma chaîne. Et aussi, après on va commencer avec la série forestière, une vidéo par semaine. Et puis aussi, après je verrai pour la carrière abonnée, mais ça c'est pas tout de suite. Voilà. Et Donc voilà. voilà. Voilà, ça y est, c'est parti. Je fais déjà une longueur de maïs pour remplir la benne du course play. Ah, le Maxum 140 a besoin d'être rechargé. Donc, allez, je vais devoir switcher dans le véhicule pour aller mettre Et là, les t'as cheaté semences. la partie. Hein? Cheaté la partie, là, non. Non, nous, c'est sans cheat, là. Ah, ok. Ouais.
J'ai juste j'ai commencé cette partie bien avant histoire de mais bon je suis resté en fait toujours base vraiment j'ai gardé mes véhicules pendant longtemps j'ai Les raisons semé pourquoi tu as économisé de l'argent. bah ouais j'ai À un moment, j'ai fait des champs de colza à gogo pour essayer d'avoir beaucoup de sous, puis d'acheter ma caseillage pour m'avancer, parce que cette caseillage-là, elle est sensationnelle. Et puis, mais par contre, il Allez, va falloir que je m'achète la moisse batte de chez Restricted, parce que au moins, quand je vais faire la luzerne et le colza, la luzerne et le trèfle, bah, si je veux la revendre à l'usine. C'est l'UZA, bah, il faut pas que j'utilise l'ensileuse parce que l'ensileuse ça permet uniquement de faire de l'ensilage pour les bêtes et je pourrais pas ah, revendre ça remplit très très vite les silos par contre. Ça, c'est ça qui est bien. le quoi Bien. Non, la vitesse le... super. Tu vas vider, par exemple, on va faire un exemple, tu vas vider 10 bennes dans le silo, tu vas le remplir de maïs. Et de Ouais. luzerne, tu vas mettre que 5 bennes pour le remplir. C'est hallucinant comment ça prend vite la luzerne. Ah ouais, l'ensilage de tout ce qui est luzerne et trèfle. Ouais, c'est hallucinant comment ça remplit vite. Bah ouais, plus tard je ferai ça, je ferai des champs de luzerne et de trèfle. J'essayerai de progressivement d'acheter les champs et puis je les sèmerai avant la vidéo, je les sèmerai tous. Je fais du semis sur tous les champs et dès qu'ils sont à maturité, hop, on fera un champ de chaque avec une petite option qui déterminera pour différencier en fait le travail. Peut-être après j'achèterai de la petite poularde là, parce qu'on appelle ça comme ça nous aussi. Parce que c'est pareil que chez tonton Blue, lui aussi, la volaille, on appelle ça la poularde. Donc, Poulardi. une poularde. Et donc, on fera les cochons, les veaux, bah, les veaux ou les bœufs, je sais pas comment ils appellent ça. Bah, je crois que sur la Marne, c'est écrit veau, c'est pas écrit bœuf. Donc. C'est écrit bœuf, bif ou un truc comme ça. Ah mais là tout comme c'est une map française, vu que Restricted ils ont mis en français, la plupart des choses ils sont en français. Ouais, c'est vrai ça. Tiens, aussi à redire un truc, les amis, c'est pour vous dire, vous devez vous demander comment je suis sur Skype alors que j'ai plus d'ordi, je suis sur avec un appareil photo téléphone. Voilà. Mais à le dire, vous devez vous demander comment il fait pour parler alors. Bah je parle par ça, voilà. Un truc tout petit, enfin tout petit est quand même assez grand, assez performant, mais voilà quoi. En tout cas, la trémie, elle se remplit à une vitesse. Imaginaire. Non, mot de merde. Je crois que j'ai vraiment bien. Je crois que ce qui a bien fertilisé là, c'est les 3 ou 4 fois que j'ai fertilisé le champ de maïs. Je fais à peine un rang, je suis déjà à 10 tonnes. Je vais fertiliser avant les champs. Hein? Vous les avez fertilisés avant les champs. Ah bah oui. On savait sur Limburg, il n'y a pas besoin de les fertiliser. Ça, c'est bien. Limburg, vraiment. Je remercie aussi à vous, les amis, d'avoir autant de vues et autant de likes sur la map Limburg. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, en plus, Tony, avant, tu vois, j'avais que Limburg au-dessus des 1000 vues. Bon, même si elle est à 2000 et des poussières. Et là, j'ai 3 vidéos au-dessus de 1000 vues. Et c'est attends. Présente. Attends. Que je me rappelle. Je sais plus c'est lesquels. J'ai un épisode forestier, là, le premier épisode qu'on avait fait. Premier épisode, la map Limburg. Et je crois que c'est.
pas sûr que c'est la présentation du Renault Arès, peut-être. Parce que j'ai été le premier à le présenter. Merde. Un peu mine, t'as vu ouais. C'est moi qui ai été le premier à présenter un Renault, le Renault Arès. Je suis fort. Ouais. Dès que je l'ai eu, en plus, c'était avant de partir en vacances. Partir en vacances, c'était le soir même où j'allais partir. Il me restait quoi, 15 minutes. J'ai même pas mis d'intro, j'ai direct fait la vidéo. Et je l'ai posté à la minute d'éclair. Ah, on m'a rappelé plus, genre, c'était ouf. Bon, je vais essayer de... Là, je vais recharger la... le champ de blé que je viens de semer, il y a déjà des pousses. Alors que l'autre, il a même pas terminé... T'as accéléré à le temps, non? Non, je crois que j'ai mis en... j'ai mis croissance des trucs en rapide. Ah ouais, je vois. Bon, je vais revenir un peu sur le champ, désolé. Putain, mais c'est quoi ça? Bon, bah désolé, hein, j'arrive pas à avoir le trigger de... Ah, bon, heureusement que j'ai pas le mode où ça détruit les cultures quand tu roules dessus. Ah, oh, est-ce que tu foutais ce mode? C'est pas fait pour moi. Surtout quand on fait partie de la team football. Hein. Je vais voir. Je switch. Witcher. Oh, j'ai même pas mis à 1000 en fait il est reparti aussitôt quoi, j'ai à peine déversé les trucs les semences et, il a quoi, il a 200 kilos de semences dans le Vitasem quoi. Vita... bon. C'est lequel le Vitasem? C'est le petit semoir. Le premier du jeu, non? Ouais, le premier qu'on a au début de chaque partie. Ouais. Hop, allez, je mets le tracteur ici. Hop, stop. Voilà. Bon, allez, je vais préparer le course play pour aller emmener le maïs pas au dépôt, mais dans notre ferme. Quoi. T'as encore 20 minutes devant toi. Donc, alors, pour le transport, c'est... la batteuse, la remorque suit la batteuse, voilà, il faut faire ça, tac, après, bon ça faut pas être touché, ça non plus, recherche automatique, il faut marquer en manuel, non, Brantner, non, l'axial flow 92-30, ouais 92-30 c'est bon. Ça, donc partir à 100% et débarrer quand la trémie de la moisse batte elle est à... Ça va, c'est bien que ça va du coup se faire, moi il faudra que j'atteigne. Je m'en sers quand même pas mal, mais moi je suis plus à faire tout moi-même, donc... Ouais, 45% c'est bon. Ouais, mais quand même plus, genre on met au moins 60. Donc la trémie à 60% et il part une fois que ça
Une fois que sa benne elle est remplie à 100%, il va la décharger dans le Voilà. silo, quoi. Hop, ça, tac. Commencer l'enregistrement. Hop, je me mets en vue antérieure pour voir la route parce que. Voilà. Ah oui, bien sûr, si je démarre pas le moteur, je vais pas rouler. Voilà, tac-tac, c'est bon. Allez, let's go. Allez, fais chauffer Marcel. Allez! Hop là. Hop là, yo les gars. Ah, BZH Mobile, il est pas avec nous ce soir. Ouais, lui il est en train de faucher là, toute la journée. Donc, si vous voyez plus de vidéos sur sa chaîne, c'est normal. Et il travaille beaucoup en ce moment, donc voilà. Mais Putain, par contre, je sais pas si je fais un circuit fermé ou un circuit de demi-fermé. moi, pas savoir ce que c'est. Quand je fais le circuit, est-ce que je reviens au point de départ pour que ça fasse un truc complet ou est-ce que je peux l'arrêter Ouais, et vaut mieux puis pas se revenir au point de départ. Ça, t'es tranquille après. T'as juste besoin de le remettre pour aller vider la trémie et t'es bon. comme ça on a du maïs grain. Hop là. On fait ça comme ça. Hop. Tac, par contre, mon entrée dans la. C'est pas chiant celui-là. Concentration. Ah. Hop. Je repasse ici. Je vais faire un petit demi-tour. Sans rouler, sans chevaucher sur l'autre champ où on va. On est en train de semer du blé. Alors, tac, il est où le point de départ? Attendez que je remette. Ouais, voilà. Tac. Ah. Voilà, circuit complet. Hop, stop. J'enregistre le circuit. Je mets suivre la mouise batte. Tu mets comme tu le souhaites. Hop, enregistrer c'est dans la boîte. Tac. Et maintenant, voilà. Par contre, il va faire son petit tour à vide. Et puis il va revenir. Et puis pendant ce temps-là, moi je vais pouvoir continuer à moissonner le maïs. Le canal. Alors, tac, démarrer la course. Je descends de là. Au revoir. Et voilà l'ouvrier. Et moi, je remonte dans le casillage 92-30. Ah, l'économie d'essence, moi, ça connaît pas. J'ai laissé la mouise batte allumée pendant la course. L'économie descend, bon ça va sur farming, ça consomme pas de Oui. points.
Et puis en plus, avec 962 litres à bord de la Bon, Moisvac. allez, moi. Allez. Elle était même un bon. Attends 30 secondes. Donc 40, je suis à 43. Il a intérêt à se dépêcher de revenir. C'est quand même... Bon, bah, de toute façon. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Et normalement, il est à vide, donc il va arriver. Il va arriver assez rapidement. Celui-là. Ouais. Hop, celui-là. Tu vas l'avoir fini dans combien de temps ton champ? Bah dans ces cas-là, si c'est trop loin, à mon avis, je vais m'arrêter. Non, mais je te demande, là t'as encore. T'as encore alors, j'ai fait 1. Vu que la barre de coupe, elle est quand même assez grande, donc j'ai 1. Là, j'ai un aller, un retour, un aller, un retour, un aller, un retour. Et peut-être encore un autre aller pour. Pense en roulant, tu roules à combien? Bah, je suis entre 9 et 10. Bah ouais, je suis à 9 km/h. Et ouais, je peux pas rouler plus vite. Ouais, je sais pas comment on accélère la vitesse de moisson. Je sais accélérer à vitesse tout court, mais la vitesse de moisson et tout, je sais pas. J'aimerais bien savoir. Faudrait peut-être qu'on prenne exemple sur la Legion 780, Krabbel qui roulait à 20. Anthony, tu te rappelles? Ouais, peut-être prendre exemple dessus dans les scripts et aller voir après dans les autres, modifier pour voir si on pourrait pas bah, pour aller plus vite quoi. Imagine en pleine moisson le mec il roule à 40. Ouais. Il y a une moissonneuse en plus qui moissonne comme ça, je crois. Bah, c'est la Legion 780. Moi j'ai aujourd'hui. J'ai vu passer attends, c'était quoi comme tracteur Oh là là, je crois que c'était un Massey Ferguson. Pour un Massey, combien? Une catégorie des 6000, je crois. Si que là, parce que là, je viens de voir une vidéo aussi de Agri Avi. Ils ont apparemment, il y a eu un nouveau Massey Ferguson qui vient de sortir, c'est le 7220. Ou non, 7220. Moi, mon préféré, c'est le 7622. Ah, oh, je suis fan. De Massey? Ouais, 7622. Ah, j'ai raté un épi de Maïs. Tant pis. Tu joues avec tes rétroviseurs là? Non, pourtant je suis en vue extérieure de la moite batte. Oh, mais je veux dire, est-ce que tu les as, t'as mis la qualité en high ou very high? Bah oui, je les ai les rétros. Oh, pourquoi tu les mets? Tu bugrais pas au moins. Ouais, mais là ça va, j'ai pas un ralentissement
Ouais, mais t'as des micro-lags, même si c'est des micro-lags, et bah, Ouais. faut quand même casser, au moins là, quand t'as des vidéos, tu bugs pas, c'est toujours ça fait plaisir, quoi. Donc c'est sûr, c'est pas le cas de moi, mais bon. Bah, tu as la trémie, elle est à bientôt à 100%. Et le tracteur. Hop. Ah, il arrive, c'est bon. Attends, je vais tourner la cam. Voilà, je sais pas, Denis, chez toi, il fait chaud, mais moi, là, il est 22h48, bah, punaise, à cette heure-ci, et moi, il fait toujours aussi chaud. Oh. Ah, moi il fait super lourd hein, chez moi. C'est pour ça que j'ai même la porte de ma petite courette à l'arrière de chez moi qui est encore grande ouverte. Il y a la fenêtre de ma chambre qui reste ouverte. Hein. Mais par contre, alors là, je vais être envahi par les sticks mous. En plus, je viens Deux. de penser dans la tête que j'ai toujours jamais fait sur YouTube, mais au moins 2-3 vidéos que je voulais faire tuto comment modifier des mods. Je les ai jamais fait, ça. Toujours dit que je les fais, je les ai jamais fait. Attends, avec tout ce que j'ai modifié en plus. J'avais mes lumières avant, mes feux de travail qui étaient allumés alors qu'on est en pleine journée. Allez, dépêche-toi le coco là! Oh, il est lent, il est lent. Tu peux pas mettre le turbo, pourtant t'as un V8 ou un V6 là dans le tracteur. Non, il a un V1. Ah, grosse merde. Ça existe même pas, les V1. V1, ça serait juste un cylindre. Bah, pour une moto, elle a un... ou un scooter. Ouais, pour une petite... un petit scooter, ça pourrait peut-être. Hein. Pourquoi Voilà, ça y est. Allez. Bon bah je redémarre. C'est parti. Normalement il me suit. Voilà, il va me suivre jusqu'à temps que. Voilà. Il te reste de donner à peu près 6-7 minutes pour être bien. Bah dans ces cas-là, il va falloir que je vais finir le chant hors vidéo après. Ouais, bah après, c'est pas trop grave, hein. Après, puisque c'est une carrière suivie. Donc, ce qu'avant on dit carrière suivie, c'est suivi. Donc, après, tu continues pas, tu reprends. Ouais, non, non, quand tu continues, puis puisque c'est suivi, après, voilà, on sait que tu l'as fait, on sait tout, quoi. Ouais, au montage, peut-être que je ferai c'est un peu style. Je récupérerai un bout de ce que j'ai fait. J'enlèverai les est-ce que ça serait faisable en fait D'enlever, d'enlever la parole mais en remettre une qui camouflera c'est pour faire un style de replay de ce que j'ai fait avant. oui, ça va faire bizarre. J'étais en train de parler et d'un seul coup, on va arriver dans un autre sujet, un truc comme ça va faire un peu chelou. Ouais, donc faire Puis après, ça déréglerait les voix et tout, je pense. Ça serait faisable, bon, je serais capable de le faire, mais voilà. Ouais, non, là, ça va, tu peux peut-être finir le chant, il te reste 7 minutes devant toi. Ah, c'est bon, il est sorti du champ, bah, il s'est imaginé. L'autre, vu que. Bah, ouais, il était dans le champ. Tu auras terminé ta vidéo, tu me diras le temps qu'elle aura duré. Moi, je pense qu'elle aura duré 43 minutes. Je pense.
22h52, ouais. Oui, 54, mais puisque c'est moi qui ai pris l'heure, je te dirai quand tu pourras. Bon, bah je fais Non, vas-y, vas-y, je te dirai, le. t'inquiète Ouais. pas, quand tu seras arrivé. Ah oui, j'ai oublié de rentrer là, j'ai oublié de rentrer la buse. Quoique ce champ-là, c'est pas un petit champ, un champ 1 sur la Marne, tu te rappelles quand t'as C'est un été champ petite? en longueur? Trois. Hein? Un champ en longueur ou carré Ouais, ou... bah ouais, le champ en longueur qui est juste à côté de la ferme de la Marne, quoi, là. Ah ouais, ah oui, je vois le grand là, ouais, je vois. Puis après, bah moi j'ai le champ, je crois le champ numéro 2. Attends, je sais plus. C'est le champ numéro 2 au début et qui est rempli de. Soldat? Non, il est. Dessus, t'es obligé de passer la fauche. Pas la faucheuse, mais l'autochargeuse pour récupérer la paille qu'il y a dessus. Champ de qui est en face de la ferme. Ouais, t'as le champ 1 qui est en long. T'as Ouais. le champ 2 qui est pratiquement proche de la forêt. Attends, je sais plus si c'est le champ 2. Les chefs des... Bah si, voilà, il n'y a que deux champs. Ouais, le champ 1 et le champ 2. Le champ 2, c'est celui au début où il y a plein de paille en fait qui est. Ah bon, moi j'ai cru que c'était du colza. Oh ouais, mais non, mais normal, moi j'avais pas, c'était pas la même version que j'avais pour ça. Mais toi, t'as la nouvelle version pour ça. Ouais, j'ai. Ouais, la V2, quoi, celle-là où tu peux. Un moment, t'as le petit truc carré au début où il y a écrit prochainement à suivre, bâtiment à placer ou machin. Bah, normalement, dans la V1, tu pouvais pas placer de bâtiment parce qu'il n'y avait Oui, pas de même dans la barrière. V2, il y a un truc stylé, c'est les silos où on peut mettre le raisin et tout. Au-dessus, on peut aller au-dessus et on voit à travers, il y a une espèce de vitre. Ouais, il y a une espèce de vitre, ouais. Ouais, bon, en vrai, une vitre aussi solide que ça n'existe pas, mais bon. Ouais, le tracteur avec Je le poids traverse qu'il avec. fait, faut que ça soit une épaisseur de verre, à mon avis, super blindé, quoi. Ouais, j'ai dû 1 mètre d'épaisseur. À moitié, c'est de la taille d'un bloc de béton, à moitié ça formerait un mur de vitre. Ça pourrait être pas mal. Alors, 68%, on avait mis à combien? J'avais mis 60, ah bah oui, voilà, je suis obligé de retourner. Hop, ça y est, et puis après la benne va être remplie, il va pouvoir aller la vider. Et puis j'ai le Maxum qui a besoin d'être encore chargé, bah oui, mais vu que bah, il va falloir que. Je regarderai la fin de ta vidéo pour voir le Maxum parce que vraiment j'ai pas souvenir de lui. Maxum 140, c'est il a un bruit, je te dis, Ouais, je le sais qu'il a un bruit. super bruit, mais justement, je l'ai jamais écouté ce bruit. Je vais l'attendre ici. Hop.
Bon, Tony, tu te lâches, il faut que tu arrêtes là. Ouais. D'ici 45 Bon secondes exactement, non, je rigole. ben. Attends, Et à la j'attends. deux. Le gars, il est à la seconde près, tu sais. J'attends qu'il. Bah, je vais arrêter la barre de coupe. Hop. Bah arrête tout là, c'est bon, hein. Hop. Je replie la barre. Ouais, puis bah, au pire, je reprendrai la vidéo mercredi avec la suite. Voilà, à peu près deux vidéos par semaine, c'est possible trois. Hein. Voilà. Hop. Normalement, si le truc est bien chargé, il repart. Oh non, si. Ouais. Alors j'arrête le moteur. Ça. Hop. Hop, il est à 100%. Ça y est. Donc il part. Toutoum. Donc voilà pour la je vais faire une miniature de vidéo Bon, par contre, là, Denis, ça ouais a une minute de trop dépassé, c'est pas bien. Je vais te discuter. Merci. c'était quoi pour enlever la Alt H. ouais. Et du coup, ouais, je l'ai mis sur un bouton alors, pour prendre en photo, c'est insert Impression. imprimé, impressif écran. Ouais. Écrit un maximum 140 sur la photo, mais bon, tant pis. Hop, je le mitraille, voir quelle photo on va pouvoir mettre. Mec, il va prendre 3000 photos. En train de décharger le grain, peut-être que ça serait pas Ah, tu mal. que là, Tony, décharger le grain, bah oui, mais sauf que là, tu continues, là, tu parles plus. La vidéo a refaire 2 heures. C'est une carrière suivie, hein, tu vas reprendre après. Entrepôt et c'est terminé. Bon. Voilà, ça y est, j'arrête de mitrailler. Bon bah les amis, sur ce, Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. j'espère que cette vidéo vous aura plu et que bah, vous pourrez aimer, partager, liker Vous abonner. et puis vous abonner. Et puis bah donc on se dit à la prochaine et puis bah passez de merveilleuses vacances d'été pour ceux qui seront en vacances. Hein. Comme moi. Allez, bah ouais. Bon allez, ciao, bye bye tout le monde. Ciao tout le monde.